Hello, bonjour à tous, on se retrouve dans une ambiance toute particulière pour un nouveau jeu, c'est Tombi 1. Parce qu'il y en a eu un deuxième, c'est pour ça que j'ai dit Tombi 1. Et on va se le faire en français bien sûr, hein, même si les autres langues me plaisent, quand même pas. Hein. Alors, je me souviens plus trop, donc Sony Computer Entertainment Europe Presents. Après Crash Bandicoot 1, 2, 3, 4 et 5, voici. Voici. Présenté également par Whoopi Clamp. Whoopi Camp, pardon. The Whoopi. C'est une ambiance quand même à la japonaise, j'ai envie de dire, pour ce jeu. Donc c'est un jeu que j'avais eu sur que j'ai connu en fait sur une démo tout simplement, comme tout le monde à l'époque, je pense. On découvrait souvent pas mal de bons jeux via la démo. Et nous voici arrivés ici. Hé, hey, toi, avec les cheveux roses! Qui ça? Ah! C'est la première fois que je te vois par ici. Les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où j'habitais ici. Enfin, plutôt, les choses ont beaucoup changé depuis l'époque où j'habitais ici. Si tu veux des informations, va à la petite cabane située en haut de la colline là-devant. Le vieux Schnock passe son temps là-haut, mais il devrait pouvoir t'aider. Avant de partir, prends soin de noter tous les panneaux que tu rencontreras sur ton chemin. L'office du tourisme régional a balisé l'endroit d'informations utiles pour les visiteurs. Pour lire les panneaux, appuie sur O, sur le pavé directionnel et sur la douche carrée. Au fait, qu'est-ce que c'est que ces cheveux roses? Enfin, peu importe. Je ne veux pas savoir. À toutes. Ok, à toutes. Le sage centenaire, donc, c'est un jeu à la japonaise, hein, je vous le disais. Un jeu qui manie à la fois 2D et 3D, il me semble, ouais. Il me semble qu'il y a aussi de la 3D dedans, ou alors c'est... Je me souviens plus, c'est dans le... Il y en avait déjà dans le 1. Mais que je vous montre un peu les touches. X, c'est ça, hein. Hop. Donc ça, ça permet de prendre les ennemis, vous allez voir, ça va être très pratique. Carré, pour l'instant, on peut rien faire. Rond pour tirer. Triangle, on arrive dans le menu. C'est un espèce d'RPG, hein. J'avoue, c'est une espèce d'RPG, vraiment, ouais. Triangle arme dont tu ne te sépares pas. Voilà. Donc vous avez vu, hein, le menu 3, pause, select. Donc là, vous voyez, vous avez la carte. Qu'est-ce que la carte? C'est ça la carte. Et c'est là que vous voyez un peu toute la distance qu'il y a à parcourir. Vous vous dites, oh putain, on n'est pas arrivé. Eh ben, on n'est pas arrivé. Ouais, en effet. Quitter. Bon. Alors, haut, bas, gauche, droite.
Alors, si on appuie sur la touche du haut comme ça, on peut sauter par ici comme ça et ensuite, et enfin passer à l'arrière-plan. Vous voyez que ça peut être très pratique quand même. Ah, voilà, oui. Hop. Bon, vous voyez cette chose ici là qu'on peut, on peut presser dessus. Bon, je vais arrêter un peu de parler quand même. Et Wow, tourbillon! Dissipe le brouillard, ça sent. Ok, bon, je voulais pas trop taper dessus. Wow! Ah, tornade folle reçue. Ah, ok. 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 Alors, à qui le droit? Arrêtez de voler mon courrier! Si vous continuez à agir de la sorte, je ne répondrai pas de ce qui pourra se passer. Sentiment distingué, la direction du manoir. Ah, le vieux est quand même assez marrant. Le village où tout débute. Enregistrer les données. Non. Parce que je peux le faire moi-même. Voilà, c'est fait. Bon, et encore, parce que s'il fallait que je retourne à chaque fois en arrière pour ça. Oula, hé, singe! Oula, lui il est plein d'eau. Vous voyez, un cochon, hein, les fameux cochons qu'on avait vu dans le niveau. Et ben, regardez. Hop, pouf, et on gagne des AP. Des AP, je sais plus à quoi ils servent pour l'instant. Un message que... Aïe, aïe! Aïe, aïe! Bon, les machins jaunes et bleus là, ça vous fait gagner de la... Pas de la vie, non, ça me va pas. Ah voilà, boum, je me disais bien que... Ah, grenouille! Grenouille reçue. Ah, ça peut m'aider ça. Ramène-moi chez moi, Mille. Oui, c'est vrai qu'il y a un truc avec les AP, je me souviens. Il faut que je fasse gaffe avec la grenouille, avec la garnoule. Alors, est-ce qu'on tape comme ça? Il me semblait que ça... Voilà, ça pouvait rendre un truc. Mais on va le laisser là, hein, parce que ça peut nous être très utile. Ça. Alors, tu peux te balancer pendant que tu te tiens à une branche. Pour te balancer, maintiens la touche sur la gauche ou droite enfoncée. Pour te balancer dans le sens inverse, appuie sur l'inverse, forcément. Pour sauter à plusieurs fois, je sais. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, lui, il est toujours en train de dormir, celui-là, décidément. Spoof, le pour le ouf, là. Voilà. Vous voyez qu'il y a un œuf derrière. Yeah, vous savez bien ce type de machin. Vous voyez là-bas au-dessus qu'il y a un coffre. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Holla! Holla gaillard! Ouh, tu prends déjà la route de la cabane du vieil homme! Pourtant le brouillard est tellement épais qu'on n'y voit plus rien ici! On dirait qu'il va falloir rebrousser le chemin! Tu teins les cheveux ou c'est la couleur naturelle? Peu importe. Si seulement j'avais mon catalogue d'achat par correspondance, je pourrais survivre dans la brousse. Il trouverait sûrement un article pour se débarrasser de ce brouillard. Bon, salut! Et encore bravo pour tes cheveux roses. Bon, on peut sauter par ici. Attention au Nishi. Non, je crois que ça s'appelle le Nishi. Hein. Donc, on peut lui cogner dessus. Et je vais casser son œuf. Oui, je sais, je suis méchant. Et je collectionne un poussin! Poussin reçu! Eh hey, poussin! Ah! Voilà! Eh, on l'a eu! Bye bye! Entraînement niveau 3, utilisation des armes. Pour faire balancer ton arme, maintiens la touche rond enfoncé. Vous l'avez vu de toute façon. Plus ton arme balance vite, plus ton attaque est puissante. Bon, je vais peut-être sauter par ici parce que je n'avais pas vu cette inscription là. Et que ça peut vous aider. Entraînement niveau 2, escalade des murs. Appuie sur O sur le palier directionnel et sur la touche 3 pour sauter sur un mur situé derrière. J'adore la musique du jeu, vraiment extra pour un jeu de l'époque. Vraiment, c'était assez génial. Et ce jeu n'a vraiment pas eu le succès qu'il devrait. Parce que vraiment, c'est un super jeu. Et finalement, le jeu n'a pas. Comme je vous l'ai dit, n'a pas reçu tout le succès qu'il aurait dû avoir normalement. Bon, alors on va pouvoir grimper jusqu'ici. C'est à toi d'un objet pour dissiper le brouillard. Quelque chose avec du souffle ferait l'affaire. Pause. Utiliser objet. Tornade folle. Bon, je me souviens un peu, donc c'est pour ça. J'avais fini le jeu, ouais. T'en merques mal. Utilise tornade folle. Regardez un peu ce que ça va nous faire.
Et voilà, on a vaincu le brouillard. Oh, monsieur. Monsieur, on se réveille. On se réveille, monsieur. Tu vas voir. Il est complètement sourd. Tiens, réveille-toi, Doméo. Dans ton bide. Dans ton bide, gros cochon. Oh non, la grenouille s'enfuit, merde. Ah, le boulet. Le boulet. Bon, vous voyez que finalement, avec ça, je peux rien faire. Bon. Ok, oui, en fait, oui, c'est parce que je me souvenais plus trop de cette cinématique-là. Mais c'est vraiment un petit bijou, oui. Ce jeu est un petit bijou. Et j'avoue vraiment que... c'est excellent, tiens. Si je peux aller récupérer ma petite grenouille. Voilà, je vais récupérer ma garnoule. Parce que j'ai besoin de ma garnoule, tout simplement. Garnoule. Attention, ça, ne pas sauter dessus, très important. Vous pouvez leur taper dessus si vous voulez, ça ne fera rien, mais surtout, ne pas sauter dessus. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je sais pas. Non, faut pas sauter dessus, bien sûr, mais oh la vache. Attendez, parce que y a un machin au-dessus là qui me fait peur. Attendez. Ah, joyau! 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 Joyau, voilà. Yes! Et un œuf! Un œuf coca ou je sais pas quoi. Non, ce n'est pas un œuf au coca. Poussin reçu. Bon. Il me semblait qu'il y avait une autre indication derrière. On va peut-être y aller. La forêt où tout débute. Enregistrer les données, je te dis non. Tu sais où t'es bouché? Ouais, oh, 500. Double 500. Hihi, yeah. Et un autre 500 pour la route, hop. Attendez, qu'est-ce qu'il y a par là? Il y a une espèce de Madame Tombi ou je sais pas quoi. Bonjour madame. On est où là? Vieille mare, enregistrer les données, mais je t'ai dit non! Quoi? Ok. Oh, plus un reçu! Oh, c'est gentil! Yeah! Yeah, qu'est-ce que j'ai gagné en fait? Qu'est-ce que j'ai gagné? Je ne sais plus. 100 000! Oh, yeah! Boîte de PA, 1000. Ouais, mais en fait, il en faut 100 000, je crois. Apparemment, ce serait peut-être pour apprendre à nager. Ah, voilà, 4. En fait, j'ai une vie en plus, ça m'en fait 4. 4 vies. Yeah. Mais j'avoue que oui, les musiques sont vraiment assez géniales. Ah, enfin, on se réveille. Voilà. Donc, je vous disais, ah, ne pas aller sauter dessus, voilà. Ne pas sauter dessus. Très important. Et pouf. Poussin. Poussin. Un poupou, sincin. Leçon d'apprentissage. Leçon numéro 1, écoute active. Si tu veux parler à quelqu'un, appuie sur la touche carré. C'était tout. Mais il me semble que j'avais vu une personne en bas. Et Ah, comment? Tu m'as déjà retrouvé? Je me cachais pour que tu ne me trouves pas. Bon, puisque c'est comme ça, je vais te donner un indice. Sur ma droite. Attendez, sur ma droite, parce que moi je suis nul en cachette. Sur ma droite, derrière la cabane, se trouve une mare. Si tu montes la colline par là, tu rencontreras le vieux fou. Il est supposé être un sage centenaire, mais pour moi, tout ce qu'il dit n'est que charabia. Ok, qui es-tu? 1000. Eh, j'ai gagné 1000 AP. Qui suis-je? Peu importe, rends-toi au machin. Oh merde, comment t'as déjà été là-bas? As-tu rencontré le sage centenaire? On se reverra quand tu l'auras rencontré. Ok, mon grand. 13 300 AP. Bon, vous voyez, ça grimpe très vite, hein. Ça grimpe très très vite. Ça grimpe très très vite. Mais j'ai l'impression de parler, mais comme un dégueu. Pouf. Oh! Un méchant! Ouh. Ça, c'est fermé. On peut pas passer. On peut pas l'ouvrir, forcément.
Twitter, mais pas, voilà. Ah mais, oh là là, voilà. Hop, là enfin on peut sauter correctement ou presque. Aïe 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 aïe. Un coin. Ah bah la boule, je me suis fait avoir mais embotté, hein, ouais. Embotté, embuté. Je me suis fait avoir embuté vraiment. Et pouf, 4. Yeah. Bon, je vais pas aller sauter là-bas parce que il y a quelque chose et vous voyez que je peux pas. Oh, une vie. Une vie. Attention à ne pas aller dans les picots. Ça serait quand même dommage de se faire prendre un point de vie tout bêtement. Hop, on grimpe, on grimpe, on grimpe. On n'a pas le choix, par contre, on est obligé de récupérer ça. C'est dommage qu'on ne peut pas les utiliser plus tard, vraiment. Ouais. Et tiens, le Nishi 2. Je sais absolument plus à quoi que ça sert. Allez, 1, 2 et compagnie, mais. Poussin reçu. AP 50 000. 50 000, ok. Ok. Bon, 50 000 de, les 50 000 devraient être rapidement atteints. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain, sérieux, c'est fermé. Donc là, j'arrive à. C'est juste pour vous montrer, hein. Cabane du centenaire, voilà. Et non, je ne veux toujours pas enregistrer. On en est à 16 minutes. Ah, et nous voici d'arriver ici. Monsieur. Ah, monsieur. Salut, le vieux. Que faire? Bonjour. T'es un gentil petit gars. Moi, je suis le sage centenaire. Que puis-je faire pour toi? C'est le sage centenaire. Et c'est terminé. 1000. Non, désolé. Quelque chose d'autre me préoccupe en ce moment. Tu vas me faire une faveur? Tu vois, quelque chose me préoccupe vraiment. Bon, pendant lui, il fait la tête pour ça, là. T'as dû les voir venant ici, les oiseaux coca rouge. Ces oiseaux volent les œufs. Je fais pas de la pub pour le cola, hein. Ces oiseaux volent les œufs et les élèves comme les leurs. J'ai de la peine pour les petits poussins dans les œufs. Peux-tu aller chercher tous les poussins dans les œufs? C'est une mission pour moi! C'est une mission pour Tomba! Oui, parce que Tomba en version anglaise, Tombi en version française. Bon travail, tu les as tous trouvés déjà? Ah bon? Mais où sont les poussins? Ah! Ah, il les a bouffés en fait! Ah! Quoi? Ils sont dans ton estomac? Que caches-tu encore là-dedans? Ça te regarde pas! Peu importe, utile de me le montrer, ça va vraiment. Grâce à toi, j'ai un souci de moi. Ah oui, tu voulais parler de quelque chose. Ouais. Les cochons coma ont volé les bracelets de grand-père. Si tu veux tout savoir sur les cochons coma, hein. Voilà comment tout a commencé. Il faisait bon vivre dans ce pays autrefois, avant l'arrivée des 7 vilains cochons. Ils arrivèrent sans crier gare, se servant de leur pouvoir pour transformer ce pays en un univers terrifiant. Pour une raison inconnue, ces vilains cochons recherchent de l'or. Je parie que le bracelet de grand-père qui a été volé par les Komabuta était lui aussi en or. Les 7 vilains cochons se cachent dans cet univers. Si tu les retrouves, je suis sûr que tu retrouveras aussi ton bracelet, mais surtout, sois prudent. Il a pas du tout une voix de vieux? C'est tout ce que je sais sur les cochons coma. Si tu veux récupérer ton bracelet, tu dois te faire des amis. Chose que je suis incapable de faire. Ils te seront très utiles. Bien sûr, si je peux t'aider à nouveau, viens me voir. Je crois avoir perdu ma cloche centenaire, j'allais te la donner. Si tu la retrouves, rends-la moi, d'accord? En échange de la cloche, je te donnerai ceci, une ancienne clé. Elle a aussi 100 ans. Que le temps passe si vite. Ouais, clé centenaire reçue, youpi. C'est l'unique clé capable d'ouvrir des coffres centenaires. Ah oui, il te faut des sacs à vilains cochons pour trouver les vilains cochons. Sans les sacs, tu ne pourras pas trouver leur cachette secrète. Va demander à l'aîné des nains. L'aîné des nains. Où sont les sacs à vilains cochons? Il habite au bout de la forêt. Il saura te dire tout ce que tu veux savoir sur les sacs à vilains cochons. Pars maintenant, mon garçon. L'aîné des nains. Je vais donc pouvoir... Ah,
Vous savez qu'il y a une corde qui est descendue, mais je vais quand même passer par là. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y avait des coffres que je vais récupérer. Les coffres. Hop, un coffre ici d'ailleurs. Pouf! Yeah, une aide charitable reçue. Qu'est-ce qu'une aide charitable? En fait, ça permet de changer d'endroit. Ou de je ne sais plus quoi. Hein. Mais j'en ai perdu un peu le truc. Bon, il y a des choses qu'on retrouvera aussi dans le 2, mais le 2 sera fait évidemment plus tard. Ah, bonjour toi! Tu vois, je te l'avais dit, j'espère que le vieux t'a aidé. Moi, on m'appelle Yann du village caché. Qui es-tu? Terminé. 5000. 000. Cache-cache. 1000. Ou pas cache-cache. J'aime me cacher des gens. En général, ils ne me retrouvent pas. Si tu me retrouves encore, je te dirai encore plus de choses. Ne t'attends pas à ce que je sois aussi facile la prochaine fois. On va bien s'amuser, une bonne partie de cache-cache. Eh bien, bonne chance, à plus. Au revoir. Je sais, c'est l'heure du moment où je m'excite. Non, mais... Non. Tiens, va donc. Non! Sale bête, va! Aïe, 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 mais la sale bête. Non! Je vais mourir! Je vais mourir! Je le sens trop pas. Je le sens trop pas quand même que je vais mourir. Bon, on peut ajuster la caméra, vous avez vu, mais. Bon, à vos risques, c'est pire quand même. Tiens, le Nishi là. Et voilà, hey, la cloche centenaire. La cloche centenaire, elle est pour Bibi. Evie, la cloche centenaire est pour Bibi. Evie. Ah bon, j'ai peur, j'ai cru que je vais te faire avoir, j'allais dire. Merde. Le grosso boulette. Yeah, même carrément 4. De nouveau 4 sur 4, en sachant que vous pouvez aller, je crois, jusqu'à 16 ou je sais plus combien. Je ne sais plus jusqu'à combien on pouvait aller, mais sachez en tout cas que c'est... Je suis là. Je suis... Tiens. Non, le gars, je lui dis je suis là, mais même pas une voix, tu vois. Ah, le méchant. Je pensais que j'allais pouvoir lui taper dessus, mais... Attendez, on va se faire plaisir, hein. Donc... Voilà, et hop, on se fait plaisir, le gars, il se demande quoi. On est content. Oh, le boulet, boulet, bande de boulets. Oui, j'essaie de bien faire le cochon, mais vous savez très bien que moi et les animaux, ça fait deux. Oh, oh. Salut, singe. Non, boulet. Boulet. Boulet, Mais vas-tu, voilà, vas-tu. Voilà. Ça va pas. Laisse-moi tranquille. Ne viens pas m'embêter. Je n'ai pas mangé de la journée et tes cheveux roses me donnent la nausée. Singe affamé, 1000. Sympa, sympa, vraiment, hein. Tu es méchant. Tu es méchant, je ne t'aiderai pas. Non mais oh. C'est quoi ces gens qui vous... je sais plus quoi, mais qui vous... voilà. C'est du racisme anti-cheveux roses. Je vais porter plainte, moi. Du racisme anti-cheveux roses, mais franchement... Tu me fais peur, toi, hein? Avec ta queue de singe, là. Voilà. Ah non, mais je pensais qu'on pouvait là-bas, mais... Ah, quand même, oui. Je pensais me demander si j'allais l'avoir un jour. Oui, je faisais juste tout ça pour ça. Mais, voilà. On va pouvoir tranquillement...
pouvait pas tomber dans le vide, bien sûr. J'ai eu peur un moment. Non. Oh mon dieu, j'ai eu peur, oui. Vous voyez qu'on peut grimper quand même ici, plouf. Non, mais le boulet. Voilà, bon. Tiens, méchant. Ouais. Non, mais va donc, toi, oh. Voilà, bon. Pouf. Je sais qu'on va devoir rapidement se quitter parce que il est quand même vachement temps, hein. Merde, mais forcément, oui, je n'ai pas pu faire ce que je voulais. Bon. Ah, mais. Ça peut être assez particulier parfois ce jeu, ouais. Ça peut être une torture mentale. Pouf. Hop, on récupère un point de vie, on est content, on va pouvoir aller plus loin, hop. Écoutez, il va être l'heure pour moi de vous laisser, hein. Je vais quand même vous laisser dans la maison du vieux. Ah, il en serait, je dois lui donner ma cloche, oui. Je vais me faire tirer les cloches. Comment ça? C'est horrible, enfin bref. C'est horrible. Ah non, ah. Ah, mais comment je peux dire ce genre de bêtises? Non, mais ah. Ah. J'ai pon. On le ponce, ce genre de choses, mais on ne dit pas, non. Salut, vieux! Salut vieux! Le chemin est encore très long, sois patient et très prudent. Ah oui, c'est vrai, je vais lui donner ma cloche. Ah, ok, utilise le choc. Et c'est peut-être comme ça qu'il va me dire tiens, autre pour vous, je vais récupérer. Bon, enfin bref. Écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Moi, je vous fais des gros bisous, je vous dis bye bye et au revoir! Au revoir!